Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Jordi Escobar qui est officiellement un joueur du FC Barcelone. Mais avant de parler de Jordi Escobar qui est selon moi un assez bon attaquant, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi. Et nous les mecs, on est prêts pour parler de Escobar au Barça. Le FC Barcelone a annoncé deux signatures ce lundi après-midi. Il s'agit de Kays Ruiz qui retourne au FC Barcelone sur un transfert gratuit après avoir terminé son contrat avec le PSG, et Jordi Escobar prêté par Almeria avec une option d'achat. Barcelone renforce son équipe B en ses premiers jours du mercato estival. Ce lundi, le Barça a annoncé deux arrivées presque d'un coup. Ce sont bien évidemment Kays Ruiz Atil et Jordi Escobar. Le premier est un milieu de terrain franco-marocain âgé de 18 ans et une vieille connaissance du club Blaugrana. Parti au PSG en 2015, un transfert entouré d'une centaine de controverses, il a fait le chemin inverse 6 ans plus tard après avoir terminé son contrat avec les Parisiens. Il arrive donc libre et a signé pour 3 saisons et le Barça a mis une clause de résiliation de 50 millions d'euros qui serait doublée en cas de promotion en équipe première. Jordi Escobar, quant à lui, a 19 ans et a également joué dans les catégories inférieures de Barcelone, bien que dans son cas, ce ne fut que pour un an. Il joue en tant qu'attaquant et est arrivé en prêt avec une option d'achat d'Almeria. Voici en tout cas les gars pour cette petite vidéo Mercato sur le Barça, plus précisément sur Jordi Escobar à Barcelone. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi comme d'habitude ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Et pour ne rien rater, c'est très important, je compte sur toi. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut !